limite 1 a été une des grandes réalisations pour le projet de transport. Sur la ligne des charges, Unicar Tropical a fait ses premiers voyages avec les passagers de la Tropical. Dans le centre USD aux Émirats, la construction de 4 supports d'ancrage pour les premières pistes de l'eau commencé. Celui des nouvelles pistes de transport à port sera pour la première fois des vitesses supérieures à 150 km/h. Le transport à port a été certifié dans les Émirats arabes. Les experts internationaux ont confirmé que cette technologie répond aux exigences mondiales en matière de fiabilité et de sécurité du trafic. La certification aide le projet à pénétrer de nouveaux marchés et faciliter la coopération avec les clients du monde. Sharjah a également accueilli les premiers essais de transport à port de marchandises. La piste légère du centre d'essai a reçu l'autorisation des autorités émirates pour démonstration et un essai de fonctionnement. La version d'exposition du transport à bord à grande vitesse se trouve maintenant dans un pavillon spécial au centre de l'Université. À la fin de l'année, l'inventeur de la technologie à cordes, Anatoly Nitsky, a annoncé la signature des 4 premiers contrats pour le geste. Ce ne sont là que quelques-unes des avancées spectaculaires qui permettent à la technologie à cordes d'atteindre le marché mondial. Ce n'est que le début d'un progrès auquel chacun peut participer. Vous pouvez l'être ici. Rejoignez-vous. Alors, bonsoir. Bonsoir à tous et bienvenue une fois de plus à ce webinaire de présentation de notre magnifique technologie du transport à cordes. Bien évidemment, c'est moi, Donatien Gérard. Une fois de plus, aujourd'hui, nous parlerons tout d'abord des dernières nouvelles du projet, bien comme d'habitude. Et ensuite, nous verrons quels sont les facteurs négatifs de l'activité de l'homme qui conduisent à la destruction de l'environnement. Nous parlerons des problèmes, des risques et du système de sécurité du transport moderne actuel. Nous verrons les possibilités et les perspectives du système de transport innovant U-Sky qui est en train d'entrer sur le marché mondial du transport. Je vous montrerai comment vous pouvez contribuer à l'avènement de ce transport écologique, qu'est-ce que Skywalk Community vous offre, et nous verrons les avantages, les perspectives et bénéfices que vous tirerez donc de votre participation à ce magnifique projet. Tout d'abord, revenons sur cette annonce concernant l'authentification à deux facteurs qui devraient être établi dans les comptes des utilisateurs Skywalk Community. Connecter l'authentification à deux facteurs à l'entrée avant le 27 avril 2022. Donc, pour pouvoir vous connecter à vos back-office, vous devez utiliser l'authentificateur à deux facteurs. À partir du 27 avril, la confirmation des transactions dans votre back-office ne sera possible qu'avec l'aide de Google Authenticator. C'est le moyen le plus sûr, fiable et qui fonctionne sur une autre plateforme. Si vous avez une authentification à deux facteurs pour vous connecter à votre back-office, après le 27 avril, le Google Authenticator sera automatiquement votre moyen de confirmer vos transactions. Dans ce cas donc, vous n'avez rien à faire. Si vous n'avez pas encore connecté l'authentification à deux facteurs
Alors, faites-le maintenant. Vous devez le faire absolument avant le 27 avril. Cela aidera à protéger votre back-office officiel contre le piratage. La sécurité des transactions dans votre back-office sera ainsi assurée et le piratage ne sera plus possible. Notez qu'après le 27 avril, le code d'authentification à deux facteurs avec le nom Skyway Use, New Skyway Capital, agira à la fois pour confirmer la connexion à votre compte, votre back office, et aussi pour confirmer les transactions. Donc, si vous savez déjà connecter la confirmation des transactions via Google Authenticator, après le 27 avril, l'application, vous pourrez supprimer le code Skyway Verify User ID, ainsi de suite. C'est ainsi que ça s'affiche sur le Google Authenticator. Donc, en suivant juste la vidéo qui est mise sur le site de l'entreprise, la chaîne YouTube, je veux dire, vous allez comprendre comment est-ce que vous devez procéder. Si vous ne connectez pas l'authentification à deux facteurs avant le 27 avril, vous pouvez vous connecter à votre back-office, mais vous n'aurez pas accès aux transferts internes et aux retraits. Pour éviter cela, connectez donc cet authentificateur à deux facteurs à l'avance. Pour ce faire, nous avons préparé une courte vidéo pour vous que vous pouvez trouver, comme je l'ai dit, sur le site, sur la chaîne YouTube de Skyward Community. Alors, la revue Salons internationaux parle des avantages du transport à cordes. La revue Biélorusse, Salons internationaux, a publié un article sur la façon dont la technologie à cordes peut résoudre les problèmes de transport moderne. Nous partageons les principales thèses de la publication ainsi qu'il suit. Le transport à cordes fonctionne sur l'électricité. En même temps, sa consommation est inférieure à celle des autres types de véhicules électriques. Ceci est important car la production électrique peut nuire à la nature. L'escatade à cordes nécessite un minimum d'occupation des sols. Une telle piste ne perturbe pas le terrain, n'empêche pas le mouvement des eaux souterraines et de surface, n'interfère pas avec le mouvement des personnes et des animaux. Dans le transport à cordes, des roues en acier sont utilisées contrairement aux roues en caoutchouc. Elles s'usent beaucoup plus lentement et émettent moins de substances nocives dans lors de la conduite. En raison donc de son emplacement au-dessus du sol et de sa structure de trajet léger, il est plus facile d'intégrer le transport à cordes dans une ville déjà formée que de construire un métro ou de construire une route. Les pistes à cordes peuvent être construites à côté des immeubles d'habitation, car le transport ne créera pas d'embouteillage, ne créera et créera des situations dangereuses pour les passagers et piétons et créera pas de situation dangereuse pour les passagers et les piétons. La technologie de transport à cordes, autant pour moi, technologie de transport à cordes convient à toutes les tâches. Par exemple, fournir une connexion rapide de la banlieue au centre, relier des parties de la ville séparées par une rivière et même construire une piste dans les zones montagneuses. USKY élargit le pôle de contact d'affaires. Nous revenons encore sur cette information parce qu'il faudrait que vous compreniez que nous sommes déjà dans le marché mondial du transport. USKY Transport and Infrastructure Technology continue de susciter un grand intérêt de la part des gens du monde entier. Récemment, USKY Test and Certification Center a été fréquenté par des hommes d'affaires de différents pays. Le docteur Ramzi Al-Alaza, conseiller et directeur du conseil d'administration de Amriyah Steel à Sharjah aux Émirats Arabes Unis, faisait partie de ses invités de marque. Le docteur Ramzi a visité le centre de test et de certification USKY pour se familiariser ainsi avec les avantages de la technologie USKY, tels que le coût de construction, plusieurs fois inférieur à des coûts d'exploitation supplémentaires, extrême respect de l'environnement, la sécurité des passagers, la grande adaptabilité, le confort, efficacité,
l'énergétique, la vitesse élevée jusqu'à 150 km par heure, moins de consommation de matière, acquisition frontière, foncière minimale, intégrabilité dans toute infrastructure urbaine existante sans perturber l'architecture environnementale. Clôturant la réunion, le docteur Anatoly a présenté au docteur Ramzi son livre autobiographique The Engineer, où le designer raconte son travail sur la création de U-Sky Transport, les objectifs qu'il aspirait à atteindre et les difficultés auxquelles il a dû faire face. Le docteur Ramzi a remercié le docteur Anatoly Unitsky pour son accueil chaleureux et ses informations intéressantes. Nous parlons du transport à cordes. Eh bien, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une solution innovante au problème de transport urbain, de marchandises et à grande vitesse. C'est un projet international qui se développe en Biélorussie et aux Émirats arabes unis, donnant la possibilité de devenir copropriétaire d'une technologie qui n'a pas d'analogue dans le monde. Eh bien, en 1914, l'usine des confiseries russes appelée Enyem produisit des bonbons avec des inserts publicitaires réalisés par un artiste de science-fiction. C'est ainsi qu'il a réalisé le monde dans un avenir proche. En voilà une escatade ajourée avec un wagon suspendu. Et dans l'illustration suivante, les voitures et les trams entrent en collision. Les gens courent, essayant de ne pas tomber sous les roues. Mais dans le ciel, on aperçoit quoi? Le même tramway céleste. Coïncidence? Prémonition? À vous de voir. Cette situation que vous voyez, cette image, nous est déjà familière. Et pas seulement sur les images. Non, c'est notre monde, le transport de niveau 1, c'est-à-dire celui qui se déplace directement à la surface de la Terre. Chaque année, 1,5 million de personnes meurent dans des accidents de voiture. C'est plus que toutes les tragédies énumérées. Aujourd'hui, les effondrements des transports affectent l'économie. Les ports surchargés n'ont pas le temps de traiter les marchandises et les navires sont obligés d'attendre chacun leur tour. Ainsi, nous désignons les deux premiers problèmes du transport moderne aujourd'hui, à savoir le trafic dense des personnes et la mort de ces derniers. En construisant des routes, l'homme envahit la nature. La nature, elle vit sa vie et essaye tant bien que mal de résister à l'homme. L'homme reste persévérant, tellement insistant qu'il oublie même qu'il tue le monde dans lequel il vit son propre monde. Le carburant que l'on utilise aujourd'hui, regardez-le, est un poison pour la nature. Elle ne peut plus résister. Le problème majeur donc de notre époque, le troisième, c'est la pollution de l'environnement. Le passage du transport moderne à l'électricité ne résoudra pas le problème de l'écologie. Le fait est qu'en branchant une voiture dans une prise de courant, nous nous connectons indirectement à des centrales électriques qui, elles, fonctionnent à partir de combustibles fossiles, qui, eux, polluent également l'environnement. L'un des moyens de sortir de cette situation est de créer une des machines avec moins de consommation d'énergie. Donc, le quatrième défi de notre époque, c'est la réduction de la consommation d'énergie. OK, il faudrait réduire cette forte consommation d'énergie-là. Dans différentes années et de différentes manières, les gens ont essayé de monter à la surface de la Terre plus haut, au deuxième niveau, où il n'y a pas de problème avec la pose des routes à travers les fosses, les ravins, les rivières et les forêts. Mais cela ne s'est réduit qu'à la construction de la même route. Posée sur des piliers massifs, les énormes coûts de capital restent évidents. Les tentatives de construire une route en envers ont été faites, comme au siècle dernier en Allemagne. Et de nos jours en Chine, un tramway avec des roues sur le toit diffère d'un tramway.
terrestre en ce qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol. Mais c'est la seule différence. Ces photos que vous voyez ici n'ont jamais été classifiées confidentielles, mais pour une raison quelconque, jusqu'à présent, personne n'a combiné ces deux technologies, le déplacement sur un câble tendu et un moteur électrique intégré dans la roue. Si vous remplacez pour ces enfants italiens qui traversent la rivière le simple rouleau, pas les roues électriques, nous obtenons un nouveau système de transport. Il ne faut bien évidemment pas le confondre avec le téléphérique et le funiculaire. Ces derniers n'ont pas leur propre moteur. Ils sont simplement tirés sur le câble. La voiture du téléphérique au-dessus de la surface du sol et le funiculaire sur le flanc de la montagne. Le transport donc que nous allons examiner aujourd'hui a son propre moteur et sa propre structure de trajet. Avant de continuer donc, qu'est-ce que U-Sky? Il faut le savoir, il s'agit d'une infrastructure à cordes constituée de villes linéaires, écomaisons et ports maritimes. La mise en place des systèmes de transport à cordes n'est que l'une des premières étapes du développement à long terme du projet U-Sky. Plus les pistes à cordes apparaissent dans le monde, plus le besoin de changer l'infrastructure des villes et des zones suburbaines est grand. Avec l'introduction du transport U-Sky, il sera de moins en moins nécessaire de couper des forêts, de construire des routes et des voies ferrées et d'utiliser d'autres méthodes similaires, détruisant ainsi les écosystèmes dans la zone de développement. Sur cette base, l'infrastructure de nouvelles villes et formations changera, ce qui sera plus facile à intégrer dans le paysage naturel existant. Ainsi, on a parlé des écomaisons. Eh bien, sur cette image, vous pouvez voir donc une écomaison. OK. Ça, c'est une maquette 3D, mais cette écomaison existe déjà en Biélorussie, à l'écotechnoparc de Uniski Street Technology et aussi au Centre de recherche et d'innovation technologique à Sharjah. Et ici, c'est une autre perspective ou une démonstration de ville linéaire. Lisez vous-même cette citation. Nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des industries telles que aviation, ferroviaire et autoroute. Donc, pour pouvoir continuer, fixons nos problèmes afin d'être sûr de là où nous allons. Il consiste à se déplacer confortablement d'un point A à un point B de la surface de la Terre. Selon le schéma de production standard lors de l'alignement de la surface terrestre, il est nécessaire de déplacer d'énormes masses de sol, de changer la faune et la flore. On peut voir tout ceci sur cette image. La faune et la flore sont carrément détruites. Tout un écosystème en développement détruit. Et la prochaine étape, c'est la création d'une fondation multicouche de 2 mètres sous la route. Et seulement alors, à ce moment, nous pouvons poser les rails et laisser rouler le matériel roulant. Pour éviter des travaux de terrassement lourds et la destruction de l'habitat des animaux et des plantes, il est possible de soulever la chaussée au deuxième niveau en construisant un pont. Rappelons la méthode utilisée par les enfants vue précédemment au-dessus de la rivière avec un câble tendu comme une corde. Au lieu d'un pont lourd et coûteux, on pose plutôt le câble. Les supports lourds ne seront pas nécessaires. On les remplace donc par des supports légers. Les cordes sont légères. On va donc tirer le câble et fixer ainsi les extrémités de du câble dans le sol de la manière que les cordes sont fixées sur le corps de la guitare. Eh bien, enlevons les supports qui n'étaient pas nécessaires. Nous plaçons notre câble dans une enveloppe. Nous obtenons ainsi une structure de rail unique. Voici en section à quoi ressemble cette En section, à quoi ressemble cette structure? Elle est constituée du rail
la tête du rail, je veux dire, les cordes, le corps du rail. Et à l'intérieur, il y a un élément remplisseur qui est un béton flexible, qui est aussi une technologie mise sur pied par un autre ingénieur, Anatoly Nitsky. Il a obtenu déjà un brevet aussi pour ça, c'est magnifique. Sur cette base, donc, il est possible de créer trois types de structures de trajet, chacune d'elles ayant ses propres tâches et avantages. Des rails semi-rigides qui peuvent aller de 50 à 250 km par heure, vitesse acceptable. Des rails rigides de 100 à 100 à 500 km par heure et flexibles qui peuvent supporter des vitesses de véhicules de 30 à 150 km par heure. Regardez ici les dimensions réelles du rail semi-rigide et flexible. Ceci, c'est un photomontage qui montre des haubans supportant le vrai pont. Les mêmes haubans peuvent servir de base à la structure du trajet à cordes. En passant donc dans ce cas, vous pouvez vous passer des supports intermédiaires dans l'eau. La largeur de la rivière à cet endroit peut être facilement bloquée par une seule travée. Et ceci, ce n'est plus du tout un photomontage, mais une vraie photo. OK? Une vraie photo prise en octobre dernier au Centre de recherche et d'innovation technologique UST à Sharjah. Une caractéristique distinctive des structures de trajet de rail à cordes est que les rails n'ont pas de soudure. OK? On voit là derrière une Nikkar tropicale. Les rails n'ont pas de soudure, ce qui signifie donc que nous n'entendrons pas le bruit caractéristique des roues en acier. La tâche la plus importante du transport de deuxième niveau est d'assurer la sécurité maximale des passagers. L'absence donc de pilote et le passage au contrôle automatique éliminent l'influence du facteur humain. Et bien sûr, la conception a un système anti-déraillement spécial. Il est possible de réduire ainsi la charge de la structure de trajet et augmenter la capacité passante de la manière suivante. On peut subdiviser ainsi la grande composition en wagons automoteurs séparés et les envoyer non pas une fois par heure, mais toutes les 10 secondes. Avec le développement moderne de la technologie informatique et l'automatisation complète du processus, il ne sera pas difficile de résoudre un tel problème logistique. Revenons ainsi aux photos déjà familières, ou plutôt aux roues moteurs. Ceci est l'une des roues créées spécialement pour le transport à cordes. Les avantages de ces roues sont non seulement la simplicité, la compacité et la puissance, mais aussi la consommation d'énergie réduite. Ceci est également facilité par la résistance minimale lors du roulement de la roue en acier sur le rail. En acier, la solution la plus importante pour réduire la consommation d'énergie est de réduire la résistance aérodynamique à l'air. Lorsque la vitesse du véhicule augmente, la consommation d'énergie augmente considérablement. Les courants de vent complexes autour du corps d'une machine qui roule sur le sol affectent grandement la consommation d'énergie de celle-ci. Ainsi, le transport de second niveau permet en sorte que les flux d'aide au-dessus du sol n'ont pas d'effet. La forme de la coque originale testée dans la soufflerie permet d'atteindre des performances uniques et inaccessibles. Voici l'appareil qui vient d'être présenté en grandeur nature. Et ici, cette image montre les caractéristiques des deux véhicules, ainsi que le recalcul de l'électricité consommée par le poids du carburant liquide conditionnel. Et on se rend compte donc que l'unibus à grande vitesse qui a un coefficient de traînée près de 10 fois inférieur à celui d'une voiture conventionnelle moderne peut permettre d'économiser jusqu'à 880 tonnes de carburant par an, ce qui est carrément énorme. Maintenant, rappelons les problèmes liés au transport moderne avant de pouvoir passer à la suite. La surcharge des voies de transport, le manque de sécurité, la pollution de l'environnement et la forte consommation d'énergie. Alors, sur ces diagrammes, on peut voir clairement les caractéristiques comparatives des véhicules modernes. Le transport à cordes que Yuskay offre est peint en vert. On peut donc dire que Yuskay a la solution la plus optimale en termes de coût du capital, le coût des opérations, le niveau de consommation d'énergie et
le taux d'accident de transport, capacité et niveau de pollution de l'environnement. Le graphique ci-contre montre clairement l'avantage du transport à cordes par rapport aux autres systèmes de transport. Et voici donc une comparaison des types de déplacements terrestres les plus modernes, à la fois opérationnels et même projetés. Nous pouvons donc dire que le transport de deuxième niveau, U-Sky, est un transport léger, rapide, économique, surtout écologique. Donc, en investissant aujourd'hui, en participant au projet, vous pouvez... Il faut savoir que tout le monde peut investir dans le projet à partir du montant minimum de $50 qui vous doit permettre d'avoir 800 actions à l'heure actuelle. Et ceci peut se faire aussi à partir du pack de $250 sur un plan de versement pratique divisé en 5 mois. Aujourd'hui, il y a plus de 400 000 personnes dans le projet, y compris des hommes d'affaires, des enseignants, des ingénieurs et des personnes de différentes professions. Alors, que gagnerez-vous de votre participation dans ce magnifique projet et des dividendes? Ok, lorsque l'entreprise commencera à faire des bénéfices, vous pourrez recevoir des dividendes de la part des bénéfices du projet, des projets de l'entreprise. Le rachat d'actions. La société peut annoncer le rachat d'actions. En octobre 2018, elle l'a déjà fait pour les 5000 premiers investisseurs qui ont eu la possibilité de revendre leurs actions à un profit allant à près de 10 fois le montant qu'ils avaient investi. L'héritage, les actions sont votre propriété. Vous pourrez les léguer à vos enfants, vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants. La vente d'actions. La valeur actuelle des actions est bien inférieure à sa valeur nominale. Lorsque l'entreprise décidera d'entrer sur l'échange public, le marché public, la bourse, vous pourrez donc avoir la possibilité de revendre vos actions au prix du marché. L'auteur du projet, c'est ce monsieur à qui il a fallu plus de 40 ans de recherche, de calcul et d'expérience pour que sa création voie le monde. Anatoly Edvardovitch Yunitsky, c'est son nom. Docteur. Il est chef de deux projets de l'Organisation des Nations Unies, auteur de plus de 150 inventions, 20 monographies, 200 articles scientifiques. Membre de la Fédération de Navigation Cosmique de l'URSS et président du conseil d'administration du groupe international Société UST. Si ce monsieur était un artiste et un acteur hollywoodien, il serait très connu. Les détails de sa biographie et ses développements peuvent être trouvés sur son site uniski.engineer et aussi des matériaux pour ceux qui sont particulièrement curieux avec des calculs bien détaillés. Eh bien, actuellement, 7 modes de transport pour les passagers ont été développés et les voilà. Et voici quelques images en grandeur nature pour ces modes de transport-là. Aussi, d'une autre part, 4 modes de transport pour les marchandises ont été développés. Et le transport sur des rails à cordes se déplace au-dessus des routes et au-dessus de l'eau sans interférer avec les autres modes de transport. Ils s'intègrent facilement à n'importe quel environnement occupant un minimum d'espace à la surface de la terre. Ni les montagnes ni les forêts ne sont des obstacles. Pour ce transport à cordes, il n'est pas nécessaire de niveler les terrains, de bloquer les voies de migration des animaux, et la destruction de la couche fertile du sol. Il a besoin de l'accès au sol le plus minimal qui soit. Le transport à cordes intègre facilement à la fois dans le paysage naturel et dans les infrastructures urbaines. Et en ses propres supports, il peut traverser les bâtiments sans charger la fondation. Après le début de 2020, le transport à cordes a été présenté à plus de 18 grandes expositions internationales de Berlin à Singapour. Il a toujours attiré énormément d'attention. Regardez ces photos prises en 2018 à Berlin lors de l'exposition InnoTrans. Notez la photo en haut à gauche, les employés du stand de téléphérique suisse et tous ceux qui sont présents regardent en direction du Skyway. Bien sûr, il est impossible de passer devant un tel appareil frappant une forme futuriste inhabituelle. Avant d'entrer sur le marché, tout véhicule, en particulier celui impliquant le transport des personnes, doit subir de nombreux tests d'essai. Des documents confirmant que le transport a passé les tests peuvent être facilement trouvés sur le site, la technologie du transport a obtenu plus de 83 brevets
dans 18 pays des États-Unis à la Chine aujourd'hui, plusieurs certificats et récompenses également. Ici, sur les diapositives, il n'y a pas un dixième des documents que l'entreprise a. Vous pouvez tous les retrouver sur le site web. Bien évidemment, il est impossible pour une seule personne de mener à bien un tel travail titanesque. Pour ce faire, donc, la société Uniskisting Technologies a été créée à Minsk, en République de Biélorussie. Et depuis 2019, la société emploie plus de 1000 professionnels hautement qualifiés. La structure est composée de 80 départements et bureaux d'études. La propriété des bureaux et de production couvre une superficie totale de plus de 10 000 mètres carrés. Dans sa propre production, il y a 11 machines complexes qui ont déjà été conçues et fabriquées pour le transport de marchandises et des passagers urbains et interurbains à grande vitesse et à hyper vitesse suspendue et montées d'une capacité de 2 à 200 passagers et d'une capacité de charge de 2 à 35 tonnes. 4 modèles, y compris dans la version tropicale, sont à court d'exécution. L'argent des investisseurs a permis de construire un éco-technoparc non loin de la ville de Minsk en République de Biélorussie et chaque année à l'heure de l'Ecofest, des milliers d'investisseurs se rassemblent sur cet endroit pour voir de leurs propres yeux et s'assurer de la réalité de tout ce qui s'y passe. Et chaque fois ici, quelque chose y est montré, quelque chose de nouveau. En septembre 2018, on a commencé la construction du centre d'innovation UST aux Émirats Arabes Unis dans l'Émirat de Sharjah. Le centre d'innovation UST Inc. de Sharjah, c'est un groupe de sociétés et de production qui deviendra l'avant-poste du groupe UST lorsqu'il entrera sur le marché mondial du transport. Ces photos que vous voyez sont prises en 2019, autant pour moi, sur le site de Sharjah. Le transport aux Émirats Arabes Unis sera une preuve supplémentaire que cette technologie peut fonctionner dans toutes les zones climatiques de la planète. Il ne fait donc aucun doute que tout cela sera bientôt mis en œuvre. Et dans un avenir pas si lointain, il s'intégrera facilement à la nature. Il ne nous surprendra plus, comme le fait le métro ou le tram, il ne nous surprendra plus du tout. Aujourd'hui, nous pouvons donc dire que le transport à cordes U-Sky est un transport innovant qui se déplace au-dessus du sol, c'est clair, à haute vitesse, sûr, efficace, facilement intégrable et surtout écologique. Parvenu donc au terme de cette présentation de notre technologie à cordes et des dernières nouvelles du projet, je vous dis merci et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour plus de nouvelles du projet de transport à cordes. Bonne soirée. Ok, là, cher ami du Cameroun et d'Afrique francophone, nous sommes dans le bus à grande vitesse. Chaque fois, on a l'habitude de le voir dans la télé. Aujourd'hui, c'est du réel, les amis. C'est du réel. Je vous invite à adhérer massivement à l'idée du concepteur, la docteur Adrien Leski. Il faut participer à ce projet. Et vraiment, c'est du réel. Le financement s'achève d'ici peu. Je vous invite massivement à pouvoir adhérer le plus tôt possible. Là, nous sommes, comme vous pouvez le constater, au centre de l'innovation technologique Sharjah avec les autres invités qui sont venus de par le monde pour voir cette technologie de leurs propres yeux. Donc, adhérer massivement. Cameroun, Koye. Africa, voyez, Uniskisting Technologies, voyez.